La minute lecture, première action. Ouais, je fais tout seul maintenant, j'ai viré Damien, ça va plus vite. Vous l'avez compris, nous allons parler lecture, nous allons parler de mes lectures, et la dernière en date, c'est Les Nains. C'est écrit par Marcus Yates, c'est sorti en 2004, ça commence à dater un petit peu, mais bon, hein, voilà. Et ça nous emmène en voyage au Pays Sûr, le Pays Sûr qui est une série de royaumes elfiques, humains, et certains qui sont dirigés par les magiciens les plus puissants du coin, qui est entouré d'une chaîne de montagnes qui, là, est le domaine réservé des 5 tribus naines qui sont chargées de s'assurer que le pays sûr reste sûr. Ouais, j'ai fait une allitération sûr, juste pour m'amuser comme ça. Paf, paf. Vous vous doutez bien qu'à un moment donné, bah, les créatures qu'ils essaient d'empêcher de rentrer, les orques qui viennent du pays mort, vont arriver à rentrer, sinon ce serait pas drôle, hein, forcément. Et c'est à ce moment-là que nous allons retrouver Tungdil, le héros du livre. Le héros du livre qui est un nain, sauf qu'il s'est égaré et qu'il a été adopté par un des mages les plus puissants du pays sûr qui s'appelle Lot Yonan, le roi du Yonandar. Ça ne s'invente pas. Voilà. En édition française, les bouquins sont divisés en 2 tomes pour la version poche ou en version intégrale pour ceux qui aiment bien les gros bouquins. Voilà. Là, vous pouvez le voir, premier tome, deuxième tome de la première saga des nains qui s'appelle Les Nains. Ouais, c'était. Voilà. C'était original. Après, vous avez d'autres sagas qui s'appellent La Guerre des Nains, qui s'appelle aussi La Revanche des Nains et Le Destin des Nains. Voilà. Et il y a un dernier tome qui s'appelle Le Triomphe des Nains. Attendez, je vous montre bien la couverture. Voilà. Paf. J'ai une tablette pour les poser pour pas les jeter comme ça. Hein, mais je le fais quand même parce que c'est rigolo. Voilà. Donc, vous avez pu remarquer que La Guerre des Nains et Le Triomphe des Nains, je ne les ai pas. Donc, petit message subliminal à l'éditeur. Hein, si vous voulez que je continue à faire votre pub, vous pouvez me les envoyer. Comme ça, je pourrais les lire et en parler. Ou pas. Voilà. On se retrouve dans quelques temps pour parler de mes prochaines lectures et pour petit spoiler, ce sera probablement sur Eragon puisque je viens de commencer le bouquin après avoir fini celui-là. Voilà. Salut à la prochaine!